aller sur Fae Farm découverte, histoire de voir si c'est vachement trop bien ou pas. Il y a de la flûte, j'espère que vous voulez. Hop là. Donc voilà, il y a de la flûte déjà. Et ensuite... Ah ouais, on vous voit pas, vous avez dit... Ah mais attendez, c'est décalé. Je fais n'importe quoi. Attendez, la scène elle est décalée. Attendez, vous pouvez dire que bonjour à la VOD bientôt. Je cherche le chat. Il est là. Faudrait que je le mette en total... Voilà. Insupportable cette... Non, c'était bien. Bêtise. Voilà. Et bien le chat. Le mec qui a décidé de mettre de la flûte devait haïr quelqu'un. C'est vrai que la flûte elle est un peu forte. Du coup on va tester ta Fae Farm solo, on va voir. Donner un nom à ce monde. Ah je nomme le monde comme on nomme un petit peu... Ça ne sert à rien. Arrêtez. Comme on nomme un petit peu notre île dans Animal Crossing. Eh merde, ça va mettre trop de temps. Impossible de changer le nom de ton monde. Ok. Falloir que le chat y m'aide. Hein. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Merci Anté. Ah non mais noter, donner un nom de monde, ça va être trop chiant, ça va mettre 3 jours. Alors que je fasse un vote et tout. Oh, attendez. Ok. Ah là tout d'un coup le chat il arrête. Hein. Je suis choisi comme nom de monde. Non mais... Bêtise. L'Occitane... Ah c'est plus mignon ça. Bonne idée, Hanté. Oh putain. Ça marche ça? Etc. Salut Yen. Pourquoi punition? Mais arrêtez! Je demande gentiment. Etc. L'Occitérien. C'est mignon. On va prendre un truc sympa. À base de là, c'est ultra basé. Oui, bah trou du cul, désolé. Hein. C'est ça ton idée à toi. Trou du cul, personne n'y pense pas. Tu penses vraiment? Vraiment? Punishland. Mais pourquoi punition? Punishland. Pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que? Vous êtes des fous? Ah, punition pour le chat. Oui, d'accord. J'ai pas compris. Et du coup, pourquoi Punishland alors? Attends. Le Stapadu. Stapadul Citerus. Personne n'y pense à celui-là. Mais ça veut rien dire surtout. J'en veux. Mais non, mais le... en fait, ce qui compte, c'est pas de mettre des syllabes au hasard. Je dis que ça devait dire quelque chose. On n'a pas toutes les enfants. Eh, c'est fatigant. Hein. Nonobstant, ça veut dire un truc. Grimlox, arrête! Ce bâton. Ce bâton. Ce bâton, c'est pas mal. Camoulox, c'est pas mal aussi. Camoulox, j'aime bien. Hop là. Let's go. Merci beaucoup pour vos propals! Bah, il est bien. Ni de l'albatros. Fallait dire avant. Ne te laisse pas abattre si tu as du mal à pêcher un poisson, c'est pas mon genre ça. Essaye de manger un repas approprié ou d'améliorer ta canne à pêche. Nessa, la pêcheuse, veut voir tes compétences à la pêche. Ne te laisse pas... Oh, non. N'attendez pas à cette tronche. On est... Salut Féline, on dirait un petit peu des Playmobil,
Mais à qui on aurait mis un corps dodu un peu, enfin je veux dire, dodu c'est-à-dire un peu mou, quoi. C'est un cosplay de deux choses. J'ai mémé. Salut Féline, ça va être... Les Playmobil confortables. Ah ouais, mais oui, non, vous trouvez pas? Il y a un décalage en fait. Non mais il y a clairement un décalage entre la tête et le corps, ça va pas. La tête là, je l'imagine un corps tout raide. Et là c'est tout j'ai... Enfin voilà, vous comprenez, ça zandine. Le son est mis fois trop fort. Du coucou? Je l'avais mis plus fort. Y'a pas de coup. Tu sais que je peux changer de corps. Attendez, je vais... Peut-être la manette. Oui, les alertes, je les avais mis plus fortes quand on écoutait de la musique très fort. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le corps ne va pas par rapport à la tête. Vous regardez, là, quand elle... Bon, ok, j'ai joué Animal Crossing, j'ai l'habitude des tout petits corps et des grosses têtes, mais là, c'est même un décalage de DA, je trouve. Vraiment. C'est-à-dire que... Vraiment, le corps... Ah, oh, ça va pas, hein. En fait, c'est genre le corps d'un personnage de Palia, quoi, et la tête d'un Playmobil. D'accord, il y a un décalage de ouf. Peut-être que je pourrais changer la tête, je sais pas. Ils sont tout petits, les yeux. Un des yeux. C'est quoi, c'est... C'est dans quel dessin, dans quel jeu qu'il y a des yeux comme ça là? C'est NES dans... C'est NES dans Smash Bros, mais je connais pas le jeu de base. Tente des sourcils. Tente des sourcils rouges. Ok. Je vais changer de coupe parce que je vois pas ses sourcils. Oh la petite stache mou. Ah, j'aime trop, petite stache mou. Oh, y a un truc, hein. Ah, y'a plus de musique aussi. Gamin blond. Non, Ness, il est brun. Ness, il est brun, je crois. Elle est magnifique, hein. Ok. Oh, je peux avoir des petits motifs sur ma gueule. Oh, on voit pas avec les moustaches. Ça, on voit avec les moustaches. Je vais mettre des petites demi-lunes là. Où ça? Non, une petite demi-lune, c'est sympa. On peut choisir le pronom. Ça, c'est cool. Ah, je peux choisir la voix aussi. Ok, attendez. La bouche, j'ai pas pu la choisir, ce qui est dommage. Prends une bouche de travers. On est pas mal. J'ai pas choisi la teinte des cheveux. Je me disais, il manque un truc. Oh, c'est pas mal, ça. Oh, c'est pas mal. Je sais pas, j'ai un truc, là. J'ai un feeling, là. C'est nickel. Oh, notre elle. Eh, si on le faisait sans voix en vrai? Pourquoi j'ai les yeux qui saignent? Ça c'est parce que tu t'es trop frotté les yeux à force de te dire mais quelle est cette beauté? C'est le début de Pimon. Lucas il est blond. Genre de bikini. Lucas c'est blond. Ouais, moi je parlais de Ness. C'est un brun Ness. Oui, parce qu'il a son pote, mais je connais pas le jeu de base. Et puis d'ailleurs, il s'appelle Ness, alors c'est même pas... Il avait pas de prénom, je crois. Ah, Lucas! Oui, non, mais ouais, moi je parlais pas de Lucas, je parlais de l'autre.
Ness et Lucas. Ouais, ouais, c'est ça. Ils ont les mêmes yeux, ouais, tout à fait. Ness, la console. Mais oui, mais c'est ces personnages de Nintendo, là, qu'il y a dans Smash Bros et tout ça. Ok, trop bien. Attendez, je fais sans voix, hein, parce que ça va être chiant sinon. Elle est bien. Mais super. Hop là. Ok, on a... Non, mais on a les refs. On a les refs, c'était important. Oh, attendez, cinématique. Un beau jour, en marchant sur la plage et en regardant le sable... Non, mais pour... Continuez. Un message dans une bouteille m'invita dans un pays lointain. L'auteur avait écrit une île, dans le besoin, unique en son genre, domicile d'un peuple courageux. C'était écrit avec bienveillance. Suivant mon cœur et le... Ah, merde, j'ai... Suivant le cœur et mon vent. Suivant mon vent et le... Je partis à l'aventure. Le voyage était périlleux et mon bateau a sombré. Je me suis accrochée aux débris, mes voiles déchirées. Soudainement, les eaux se sont calmées et je l'ai vue. Bienvenue à Azoria. Hé, hey, j'avais choisi un autre nom! C'est Camoulox. Oh, des poissons dans l'eau! J'ai vu des poissons. Non mais un truc qui va pas avec leur tête, des os hein, je bloque un peu dessus mais c'est... J'ai l'impression qu'ils ont tous des têtes, des masques en fait. Ça ne va pas. Elle est où ma caméra, j'ai oublié. Elle est là. Coucou. C'est la ville Azuria. T'as choisi le nom du monde, pas de la ville. J'ai choisi la planète quoi, mais en fait elle sera jamais citée et des gens diront que je suis plate, c'est ça? Ce serait méchant. Ni comment le jeu a des poissons dans l'eau. Bonjour hein. Quête. Ouais, j'aime bien. Je vais direct. J'aime bien comment notre personnage il va direct à l'essentiel. Quête. Toi donner quête, moi. Moi faire quête, avoir des points d'XP. Incroyable, regardez ce que la marée a apporté, tout va bien. Il s'appelle Lox TV. J'ai pas donné mon nom par contre. Comment ça, je m'appelle Lox TV. Je m'appelle Lox. C'est chill. Tu as trouvé un message dans une bouteille. Excellente nouvelle, c'est moi qui l'ai jeté dans l'océan. Non, même pas que ça ait fonctionné. C'était compliqué avant Internet. Je suis la mère Mérite. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Ah, la maison, oui, elle est disponible. En fait, il n'y a que toi qui as essayé d'atteindre notre île. C'est un lieu magique. Il n'y a que moi qui ai survécu, peut-être. C'est un lieu magique, rempli de bons amis, mais... Nous sommes encerclés par des tourbillons. Et un blizzard souffle depuis des années et des années dans les montagnes. Et un volcan actif menace d'entrer en éruption. Il y a également une magie sauvage qui a donné vie à plusieurs trucs. Mais nous avons réussi à les parquer dans la mine. Je parle même pas de l'ombre et des ronces. Et en plus, on a des guêpes. Les tomber, c'est trop pourri. Je vois la tête de Playmobil, mais oui, non mais vraiment, il y a un truc qui va pas avec leur corps. On dit Inferna sur Genshin, toi donner Primo. Non, ton compte Steam ou ton compte Nintendo. Merde! Où cette île de la mort? J'avoue, alors l'île est super. Hein. Quand on exclut à peu près tous les 6 cataclysmes, tous les cataclysmes divins et non divins que le monde a décidé d'abattre sur notre gueule. Et sinon, c'est bien, on a des cookies. Non, on ne part pas. En fait, c'est impossible à cause des tourbillons. Mais j'ai une proposition. Je vais te faire parvenir un paquet de bienvenue à ton domicile. Et voilà cette carte qui indique où trouver les gens et les objets. C'est le moment d'aller voir ta nouvelle maison. Let's go, I've got a maison. Le message dans la bouteille ne mentait pas. Une charmante... Oui, je trouve que tu acceptes vraiment vite les propositions d'un inconnu. Hein. Il te donne des bonbons, toi tu les bouffes direct. Hein. Moi perso, je me méfie de ouf. T'es dans Silent Hill, là. Il n'y a plus qu'à la revendiquer. Bah, je vais revendiquer, je vais plus jamais repartir. Mais... Entre dans ta nouvelle maison et découvre-la. Ouvre ton paquet de bienvenue. C'est pareil qu'il n'y a même pas la fille pour dans ma nouvelle maison. Je t'assure, tu vas adorer ta vie ici. Tu n'as pas le choix de l'adorer. Une carte du monde, appuie sur truc pour consulter. J'appuie sur truc. Ah, ça a quitté. Attends, c'est pas fini. Je sélectionne des gens. Ouais, je peux les suivre. Je suis où, moi? Je vois pas mes petites sèches-mous sur la carte. Bon, on va voir. Parlez. Salut. Merci encore de ta venue à Azoria.
J'espère que tu resteras longtemps. Bah apparemment j'ai pas le choix. Discussion. C'est un bonheur d'être gardée parmi nous. Discussion. Ta présence fait du bien, Azoria. Discussion. C'est un bonheur d'être gardée parmi nous. Discussion. Ta présence fait du bien, Azoria. Discussion. Merci encore de ta venue, Azoria. J'espère que tu resteras longtemps. Discussion. Merci encore de... Ok, j'ai l'impression qu'elle veut pas tout à fait discuter. Insupportable. Comment ça, je suis insupportable, c'est pas vrai. Cette île regorge de dangers mortels, mais t'inquiète, je t'offre un petit cadeau, c'est ça. Oh, la petite taverne, là, j'aime bien. Oh là là, mon... Oh, le swag du perso, mais comment j'adore mon perso. C'est une fille, hein. C'est une fille à moustache, mais c'est une fille. Parlez. Bonjour. Encore réveillé au nom de mon premier matin. Pour l'instant, bien dedans, en ma préférence. Discussion. Je suis née et j'ai grandi avec mon frère. Et depuis petit, et puis j'ai toujours voulu être marin. Mon frère, il pense que c'est pas la trempe, mais je lui montrais qu'il adore. J'apprends le métier de marin auprès de Eddie. Tu me connais, Andy? Ah, il met comme ça. Hein. Allez, au revoir. Non, je veux pas te parler, j'aime pas ton pull. Je m'en fais ici. Magnifique la moustache, vous avez vu? La vraie, 50 km. Franchement, ça, ce serait la strat. Dans un. Justement, quand. C'est un jeu multi. Dans le jeu multi, il faut toujours avoir un truc facilement reconnaissable pour pas confondre son perso. Je l'ai trouvé. Tâche-moi. Comment j'ai écrit voix? Ah, je suis déglinguée de fou. Non mais t'inquiète. Normal, t'écris vite. Faut que j'emménage chez moi. Je suis où moi? Mais pourquoi je sais pas où je suis? Je suis sûrement au port, mais je me vois pas sur le port. Ferme. Ferme. Ah ouais! Eh, on peut sauter! OMG, paravoile, même pas. Examiner. On s'est découvert tapis de damier rose. Oh punaise. Oh c'est chaud là. Oh c'est chaud ce qui se passe. Oh regardez tout ce bois à découper. À découper. Pour Archim. Tain, j'ai toujours pas fait le housing en palier. Je vais le commencer d'abord dans Fire Farm quoi. Lire. Oh putain le Delbor. Ma future avenue. Wouah les cons. Il était une fois une île du nom d'Azoria qui scintillait sur un océan tel un joyau multicolore, putain. Allô. Ah, ah, merci. Vous avez vu, j'ai rien fait, ça se fait tout seul. Vas-y, je me cache. Mais la vie... cette terre était le berceau d'une communauté avenante et travailleuse. Mais la vie était devenue difficile pour eux. Des calamités magiques les avaient privés de leur confort et avaient divisé les habitants amicaux. Mais moi, Merrick la mère, je sais que quelqu'un comme toi peut nous aider. Une personne capable d'exploiter une ferme avide d'exploration et d'aventure. Dernièrement, il faut braver les dangers d'une mer déchaînée pour atteindre notre île. Mais tu es une aventurière courageuse capable de triompher de tous les dangers. Alors vas-tu nous rejoindre? Eh franchement, désolé hein. Désolé, mais c'est clairement... J'ai reçu une lettre d'un prince nigérian, d'un prince azurian, du coup. D'une princesse azurienne. Azurianoise. Bref. Et j'y suis allée direct. Genre, j'ai traversé la mer avec mon radeau pourri. J'ai failli mourir parce que j'ai reçu un scam. Tu vas juste arriver, mais oui, non, mais c'est du scam, là. En plus, on me flatte beaucoup trop. C'est complètement du scam. Waouh! Ça, ça fait penser à Disney Dreamlight Valley, les grosses pas les tentacules, racines les ronces qui empêchent de passer. Il va falloir débloquer des trucs pour pouvoir passer. Ça fait très Disney Dreamlight Valley. Des patchwork, hein, de toute façon, ils s'inspirent tous entre eux, tous ces jeux-là, maintenant. Let's go! Oui, bah je sais pas comment on dit les processus de l'Azuria, là. J'ai trop secoué, j'ai fait du partout.
Oh non, cette phrase est dégueulasse. Je viens de m'en rendre compte. Bêtise. J'ai juste... Ça va, ça va. Je pourrais être encore plus dégueulasse, mais je m'arrête là parce qu'il est tôt. Ma lampe, elle s'allume. Ah si, elle s'allume. Vas-y, ce sera du vert derrière moi, parce que flemme. Allez. Arrêtez. On ouvre un paquet de bienvenue. Tiens, tiens, câble. Appuyez sur O pour ouvrir ton sac à dos et consulter ou utiliser les objets que tu ramasses au cours de ton aventure. D'accord. Timothée Chalamet. Je me suis entendue, ça me fait bizarre. Je me suis dit, mais comment j'arrive à parler la bouche fermée? C'est bizarre. Mettre le son du jeu un peu plus fort, je l'ai trop baissé. Oh merde, je l'ai laissé Timothée Chalamet. Oh, il va rester. Hein. Modifier la tenue, c'est important ça. J'ai un... Ah ouais, c'est vrai qu'on a des ailes normalement. Enfin, on peut avoir des ailes au bout d'un moment. L'heure n'est pas à la sieste. Bah, je fais ce que je veux. Oh là là, ok. Ok, là, yes, là, il faut rien, quoi. Bonjour, Mérite. Salut. Merci encore de ta venue à Azoria. J'espère que tu resteras longtemps. Mais tu m'as déjà dit ça. Complétez la quête. J'ai emménagé. J'ai juste passé une porte. Hein. Les premières impatiences dans la nouvelle maison. Le paquet de bienvenue était vraiment chouette, hein. Il y avait quoi dedans? Ah, c'est un sac à dos. Je savais que ça te plairait, Azoria, t'es un endroit idéal tant qu'on tolère les ronces magiques et les phénomènes climatiques douteux, les maladies, le froid, la faim, le désespoir. Même pas le droit de glander sur cette île de la mort. Que dirais-tu de donner un nom à ta maison pour la personnaliser de l'OxTV? Arrête d'oublier l'OxTV, putain, je voulais pas me faire comme ça. Ça me gratouille l'œil. Mais je veux pas me faire trop mal. Ça s'appelle Ferme, ma ferme. Oh. Ah ouais, ça t'empêche de faire les siestes, t'avoue, j'avoue. Tain, comment j'appelle ma ferme? Usine inconnue. Je pense pas qu'il y a la place, hein. Usine à pogne. Végémonée. Non mais... mais végémonée. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est que c'est... Qu'est-ce que c'est que ces propositions de nom? Aidez hanté un peu. Bon. Farmolox. Ouais. Je m'inspire de toi et de ton avenir. je peux mettre usine à pogne, mais en QWERTY limite. Ça peut être bien. Ça va être incompréhensible. C'est en QWERTY, ouais, tu sais. Tu fais exprès. Usine à pogne. Oh merde, je suis plus en QWERTY. C'est incompréhensible! C'est qu'elle appelait QWERTY? Putain! Ne me dis rien, sinon on va rester entre toi et ta ferme! Bah oui, c'était important!
Oh l'inspi. C'est la ferme où je suis pas dia. Ta maison dispose d'une ferme, voilà. Elle a connu des jours meilleurs et il faudra un peu d'huile de coude pour la retaper. C'est bizarre cette expression huile de coude. Toujours pensé que c'était un type. Enfin, quand j'étais petite, je pensais que c'était un type d'huile. Parce que c'est petite, ça va. Mais à côté du tourbillon auquel tu as survécu, ce sera un jeu d'enfant. Et grâce à mon ensemble de petits flambes en neuf, je suis tenue de dire. Assure-toi simplement de surveiller ton énergie. Oh non, ils ont mis l'endurance. Avec cet outil de débutant, tu devrais réaliser toutes sortes de tâches. Tu pourras améliorer par la suite la forge de Zinder. Au port, pour les boulots un peu plus difficiles. Essaie d'enlever les roches et les troncs, les herbes sauvages, et récolter les légumes verts sauvages autour de ta maison. N'hésite pas de conserver les matériaux que tu as obtenus. Certes, les terres autour de ta ferme n'ont pas été entretenues. Pourquoi ne pas s'en occuper? Tu trouveras sûrement des ressources utiles au cours de ton nettoyage. Donc on me fait venir ici. Je manque de mourir. On me dit, tiens, voilà un cagibi, travaille gratuitement maintenant. T'aurais pu l'appeler Lydia. Lydia et pas Lydia. Ah, j'avoue. Fibres de plantes, pierres, troncs, légumes. Une huile qui pouvait dégouliner du coude. Du coup, pour moi, c'est un truc qui faisait mal. Ah, genre le pus du coude. Tu pensais que c'était comme ça qu'on appelait... Ça s'appelait l'huile de coude. Ah, je n'ai pas assez puissante. Bah, on va donner de la merde. Tu peux rien, moi. Oh, le pus du coude. Je meurs. Ok. Ouais, je comprends en vrai. C'est bizarre cette expression huile de coude. Oui, c'est quoi ça? Récolter des fibres de plantes. Ah, c'est ça. Hop là, dans ta gueule la fibre. Macron déforestation. Tu sauras après. Oui, imagine. Là, je suis au tuto, là. Ah, ça bouge plus besoin. Il me faut des légumes verts sauvages au printanier. Ça. Légumes verts sauvages au printanier. Est-ce qu'il y a une sorte d'aléatoire de l'emplacement de ma... Enfin, de ce qu'il y a sur ma ferme? Genre, dans Stardew, il y a un peu un côté aléatoire. Les animaux consignent aussi. Mais tu choisis l'emplacement de ta map. Putain, il y a de l'endu, par contre, ça me trigger. Ça me saoule les jeux de ferme où t'as de l'endurance. C'est trop chiant. C'est un truc qui rendait Stardew très chiant en solo. Les horaires, le fait que le temps passe très vite et les horaires respectés parce que tu pouvais pas travailler et être de nuit aussi et ta fatigue. Slash endurance, un peu pareil. Et ben, oh qu'est-ce que c'est lourd. Je comprends pourquoi il y a ça, hein, mais c'est un peu lourd. Retournez voir Mérite. Je vais te retourner voir Mérite. Oh. Salut. C'est un bonheur de te compter. Ouais. Des bisous à tes bons dodos. Comment je pourrais gagner de l'endurance? Ouais, je me doute, mais c'est chiant. C'était pareil dans Stardew, mais c'était très chiant au début d'avoir de la bouffe. Là, c'est peut-être plus simple. Tu es libéré de l'espace, je vais te montrer comment on dirait brebis. S'il te plaît. Si tu veux fabriquer quelque chose, tu vas t'en charger toi-même. Mais c'est facile comme bonjour. Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, tu as beaucoup d'options de construction. Tu n'as qu'à trouver des matériaux bruts et commencer à construire. Tu ne sais pas quel matériau tu as besoin, consulte l'almanach. Je t'ai déjà parlé de l'almanach, n'est-ce pas? C'est une espèce de guide. Oui, bah appelle ça le guide alors, de nous faire chier avec ton terme. Commence par construire un meuble confortable.
Maintenant que tu disposes de ta propre maison, machin. Ok, ok, un pouf tressé. Ouais, j'ai décidé un peu de sauter un peu dans tous les sens avant. Ah ! Ça fait peur ! Je voulais voir si ça me prenait de l'endurance de sauter, mais non, ça n'a pas l'air d'être le cas. 18-20 minutes, donc ça va vite. Oh, c'est chiant. Je comprends, mais c'est chiant, on a trop de trucs à faire dans ces jeux-là. J'aime beaucoup sauter, par contre, hein. Dans beaucoup de jeux de ferme, on peut pas sauter. Je suis ressortie. Dormir dans le lit à la maison te fera passer. Fabrique un truc tressé. Il écrit construction, mais en fait c'est pas construire, c'est placer. Catalogue de construction. Ah ! Ok, un pouf tressé. On va placer ici pour voir les gens qui arrivent. C'est bon, j'ai fait... C'est absolument dans tous les jeux où on peut sauter. Oui, j'y peux rien. C'est trop bien de pouvoir sauter. Dans la vraie vie, je le fais jamais, c'est chiant, mais dans les jeux... Salut! C'est un bonheur de te compter parmi nous. On a déjà dit. Ouais, construction domestique! Dis que tu as fait ça toute ta vie. Lox TV, tu m'impressionnes. En vrai, j'ai déjà fait un peu ça, ouais. De manière générale, les décorations peuvent être construites à l'intérieur ou à l'extérieur. Laisse libre cours à ton imagination. Miles, le postier, passera très tôt le matin, te livrer des lettres et de colis. Coco. Mais comment vous savez mon nom? Salut Catholise. On pourra construire maintenant un feu de cuisson. Feu de cuisson, ta ferme est le moyen le plus simple pour préparer des plats cuisinés. On pourra toujours créer un équipement plus sophistiqué plus tard. Tu pourras cuisiner toutes sortes de plats. Légumes verts sauvages. Eh, j'ai mangé des haricots verts ce soir. C'était bon. Essaie de construire un feu de cuisson utilisé pour cuisiner. Moi aussi, sérieux? Avec du beurre? Essaye de préparer un feu de cuisson. Fabrique un feu de cuisson. Cuisine un plat avec le feu de cuisson. Et de l'ail. Oh putain, c'est ça qu'on aurait dû rajouter! Ah mais on en a plus. Pas con ça. T'es sauvage, tes haricots verts? J'étais mort. Mais peut-être fut un temps, tu sais, dans leur jeunesse. Pourquoi je vais ici? Rappel quotidien, il faut nourrir, câliner, quoi? C'est que je te nourris, c'est que je te câline. Ah, un papillon! Moi aussi, j'aurais des ailes dans le jeu. Je vais le mettre. Légumes verts sauvages printanières. Avec un peu d'ail, du persil. Mais ouais, c'est con. J'y ai pas pensé, mais ouais, on avait pas ce qu'il faut aussi. Non, mais c'est trop ça. C'est ça qu'il faut que je rachète. C'est de l'ail. Merci de m'avoir fait penser. Merci beaucoup. Ça va, vous, sinon? Vous plaît, le jeu? Ça fait 30 minutes que je discute et que je fais un spécial. Mais bien, un moment, le jeu. Bah, ils arrivent au vert. Mon copain non plus, il aime pas trop, alors du coup, on en fait pas souvent. Mais en vrai, hé. Par rapport au flageolet,
Déjà, flageolet, c'est un mot moche. Les haricots verts, c'est mieux. Dans le même type d'aliments, un peu dans la même famille. Moi, je préfère vraiment large les haricots verts. Haricots verts au beurre et... Ah, j'avoue, c'est banger. Ah, les choux de Bruxelles. Avec quoi? Enfin, les épinards. Non, mais les épinards, il n'y a qu'avec la ricotta que j'aime bien, moi. Sinon, bah, ça me... Enfin, voilà. Je sais que tu disais qu'il t'intéressait pas, car il y avait du déjà vu. Ouais, mais on en a souvent parlé après. On m'a dit, en vrai, si, si, il est sympa. En vrai, ça a à voir et tout. Je fais, bah, écoute. Il y a un moyen que je le teste. On va tester. Moi, en vrai, là, ça me coûte rien d'y jouer. Donc, je teste. Pour le moment, je suis un peu trigger par la tronche des persos. Je sais que tu t'aimes pas. J'en ai assez peu mangé, j'avoue, des épinards. Mais c'est que je m'imagine pas en manger chaud. Parce que les feuilles d'épinards, ça peut être mangé en salade, tout comme ça, quoi. J'imagine pas les manger chaud, seul, ou avec juste un petit accompagnement. Revenu à la poêle avec des allumettes de jambon et un peu d'oignon. Ouais, non, c'est vrai que les choux de Bruxelles, ça va. Ouais, ça va, c'est ok. C'est pas ce que je préfère, mais c'est ok. Alors, essaye d'utiliser différents ingrédients crus pour voir comment les transformer en plats délicieux. Faites des expériences et libère ta créativité. Je sais ce que tu te dis, Lux TV. Putain, tu te dis abonnez-vous à Twitch Prime, évidemment. Mais Mérite va-t-elle me parler encore d'agriculture? Eh bien tout de suite, salissons-nous les mains et amusons-nous avec quelques graines et plates-bandes. Et des plates-bandes. J'ai justement laissé des graines et des matériaux de construction dans ta réserve. C'est ma réserve! C'est un endroit idéal pour faire pousser toutes sortes de légumes. Bah ce serait mieux. Utilise un peu de terre, plante-y des graines, de navets. Regardez pousser. Ah bah... Je vais vraiment devoir les regarder. Parce que normalement, c'est quand même un truc qu'on fait en deux choses en même temps, quoi. Je regarde, je serai là. Tu auras bientôt des produits frais d'Azoria. Ta ferme sera alors autosuffisante. Tu me remercieras plus tard. Je t'aime pas du tout, toi. Franchement, top nous qui était plus honnête, hein, désolé. Puis c'est juste deux minutes à la poêle, pas overcuit. Oui, non, mais cette sensation de plante cuite, un peu bizarre. Ça, j'ai un peu du mal. Un peu d'huile de sésame, des pignons. Waouh, mais même l'huile de sésame, je suis pas fan des pignons, je sais. Je peux vraiment jamais. Un peu de moutarde crème. Mais attendez, il y a un truc qui est pas serré. Excusez-moi. Je sais pas, je sais pas. Là, là tu me dégoûtes, Sam. Plaisante, plaisante, plaisante. Faut que je fasse quoi? C'est des graines, ça. Non, mais merde. Va manger de la chantilly. Ah oui! Demande pas de payer la ferme, c'est déjà sympa, non? Non mais c'est pas une ferme, c'est un cagibi. Ah, j'en connais plein des cagibis, hein. Je fais pas vivre des gens dedans, moi. Genre c'est un... Pour moi, c'est un scam. Elle a envoyé son message à travers le monde en espérant qu'un crétin essaierait de risquer sa vie en venant, et maintenant elle a un employé. Pour moi, c'est ça. Employé gratos, en plus. Transférer. Ah, LB, merci. Ok. J'aurais dû, Sam. C'était bien, là, j'aurais eu un... T'en as combien? T'en as que deux des jokers, on est d'accord? T'en as pas trois, hein. Pas encore. Ok, attendez. Faut que je fasse un truc. Fabriquer et planter plate-bande. Ok. Ah, faut que je fabrique les plate-bandes? Mais comment? Là, ici, je peux fabriquer des plates-bandes. Je vais plate-bander, moi. Ok. Je plate-bande. C'est un légume qu'il y a dans ta poche ou c'est juste que t'es en train de plate-bander?
Il y avait pas beaucoup. Je vais l'enlever, lui. Bon, c'est pas grave. Regardez. Voilà, j'ai plate bandée. Maintenant, je fais X pour planter des navets. Il faut que j'ai les navets dans la main. Ah non, même pas. Ouais, je veux obtenir mes récompenses, Mary. Ah! Salut, ta présence fait... Quête, hein, quête, quête. Superbe Lox TV, tu vas bientôt pouvoir te régaler avec tes superbes récoltes, mais n'oublie pas d'arroser les graines. Sans eau, rien ne poussera. Par contre, inutile d'arroser tous les jours de pluie. J'espère que tu t'occupes bien de tes cultures. Mais attends, j'ai rien fait encore. Ça se trouve, vraiment, j'ai jamais fait ça de ma vie. Comme disent les fermiers, je sème donc je suis. Qu'est-ce qu'on se marre? Je suis pas sûre de vouloir m'intégrer avec les Azoriens, moi. Là, tout de suite, je me sens pas à ma place. T'as déjà bien développé ta ferme, j'ai rien fait. Je parais que tu ne penses même plus à ton terrible voyage pour arriver jusqu'ici, au fait que tu as failli mourir. Vous auriez pas un putain de médecin pour m'ausculter. Allez voir tes voisins, ils sont sûrement déjà au courant de ton arrivée. Les nouvelles vont vite dans notre petite ville. Oui, bah tu m'étonnes, c'est un piège. Je te conseille d'aller voir Eddie le marin. Tu devrais pouvoir le trouver chez lui, dans la baie du séjour paisible. Il aura sûrement un ou deux conseils sur la pêche. Ok. Faut que j'arrose. J'ai plus d'eau. Enfin si, j'en ai fait un petit peu. Je vais mettre des trucs dans ma réserve. Du coup, tu disais c'était ça. Oh, merci. Ça, je vais garder ça. Merci beaucoup pour le tips. Oui, je peux sauter. Ça me manquait, hein. Oh, il y a un puits. C'est chez qui, ici? Ma porte est verrouillée. Ouais, j'ai un... Je ne peux pas passer. Un peu dangereux, quand même. Bon, c'est même un de mes voisins. Une coccinelle. Elle vole en carré. Comme les mouches. Les mouches, ça vole en carré ou en triangle? Ça fait souvent ça. Enlever les trucs fabriqués, ouais, tant pis, je rajouterai. Ok, je vais ready. Oh, le raccourcax! Wouah, j'ai speedrun! Pff, oh, les sauts dans la flotte! Je suis parmi mes semblables! Oh, les sauts! Ah, ils sont trop drôles! C'est du mermaiding. Vous savez que ça existe, le mermaiding? J'ai nagé comme une sirène. Let's go. Oh putain, mais la souplesse de mon perso, elle est exceptionnelle. Je suis fan. Et non, Pali, on peut pas nager, hein. Je tiens juste à dire ça. Hein. Oh, j'aime trop. Oh, c'est trop satisfaisant. Une truite parmi les morues. Saute dauphin comme dans Fontaine. Mais non, Fontaine, moi j'ai pas... J'ai fait avec Kokomi, ça marche pas. Une morue parmi les truites. Non, je voulais pas m'insulter. Je voulais dire... Ou une insulte mignonne. Morue, c'est méchant. Truite, ça va. Espèce de truite. Ça va, c'est mignon. Donc ce dauphin. Voilà, ça c'est plus gentil. Juste la voyageuse, les fontainois. Oh, les fontainois. Blablabla. Même quand ils sont pas hydro. C'est qui, toi? Président de la guilde des marchands. J'ai hâte de planter mes cultures printanières. Petit pois, me voilà. Bah, t'es pas une... Une marchande?
Ouvrir la boutique. Laisse-moi t'ouvrir ta boutique. Je peux déverrouiller 8 emplacements pour vendre des objets de la ferme. Ok. Mais j'ai pas... J'ai rien de tout ça. Oh, le monocle. Ok. Je vais aller où? Ah, c'est là-bas. Attendez, je vais y aller voir le Eddie. Ouh. Oh, let's go. Hop là. Vase poulpe. Vase poulpe, trop bien. C'est trop bien les poulpes. Bonsoir Emery. Sardine. Franchement, truite, c'est, bah, c'est mignon. Petite sardine. Bon, non, une petite truite, tu vois. En plus, c'est plutôt un poisson un peu... Un peu joli, je trouve. Mon premier bateau s'appelait Sandy, une embarcation minuscule. Elle a échoué au fond de la mer après qu'un poisson chat l'ait percuté et perforé sur le côté. Mais... Mais t'es vraiment marin, toi? Parce que bon, basiquement, c'est-à-dire que t'avais un bateau dans une mare. Complétez la quête. Comment tu vas, Emeric? Tu racontes de beau. C'est un plaisir de te voir. Si personne ne te l'a encore dit, je m'appelle Eddie, le vieux loup de merde d'Azoria. C'est vrai que tu t'occupes d'une petite ferme, mais je ne veux pas pour autant. Je ne t'en veux pas pour autant. Oh, toi, tu m'énerves, toi. Même si fermiers et pêcheurs ont toujours été en désaccord. Ah non? Ah, chez vous, peut-être, hein, mais dans le monde normal, franchement, pas trop, hein. Oublie ça, on n'a pas vraiment vécu tant qu'on n'a pas pêché. Crois-moi, entre les arbres et la mer, ce sera toujours la mer pour moi. Entre les arbres et la mer. Non mais c'est quoi ton combat, mec? C'est quoi ta conviction? La mer, c'est mieux que les arbres. Please, c'est quoi cette comparaison foireuse? Je comprends pas. Cette comparaison. Et les fleurs, c'est mieux que les papillons, ok? Et moi, j'ai toujours préféré les nuages aux... Je sais pas. Au coussin. Mes rats se sont bien acclimatés. Tu les as depuis combien de temps, tes petits rats? Tu veux que le ketchup aussi, c'est pas faux. C'est pas l'homme qui prend ta mère, mais c'est bien lui qui prend ta mère. Pardon, excusez-moi. Et si le vieil Eddie te donnait un petit cours rapide sur l'art de la canne à pêche? Mais oui! Voilà, on peut y aller quand tu veux. Mais oui! Alors vas-y et pêche un poisson. Ah bah c'est comme ça que tu m'apprends. À ton tour et vas-y. Je vais même te passer ma vieille canne à pêche. Je veux pas que tu me sortes ta vieille canne à pêche. Ok. Ok. Une fois ta canne à pêche en main, lance la ligne de manière à ce que le flotteur arrive près de la gueule du poisson. Ouais, je connais. Mouline lentement, petit à petit, pas trop vite. Ce mouvement hypnotise le poisson, ce qui le pousse à mort. Pas tu moulines, mais pas d'un seul coup. Si la ligne devient rouge, c'est qu'elle est sur le point de casser. Dans ce cas, arrête de mouliner le temps qu'elle en devienne blanche. Continue sur ta lancée, avec un petit peu de chance, tu remonteras une belle prise. Va pêcher un poisson et raconte-moi comment ça s'est passé. Oui. C'est bon, je l'ai attrapé. Vas-y, il est littéralement dans mes mains. Ok. Attention. Ouais! Pourquoi on peut jamais pêcher à la main dans ces jeux-là? Merde! Ça a pas marché. Non mais... Arrête! Ah voilà. Complétez la quête. Ils ont 6 mois! Ils sont pas petits, 700 et 800 grammes. Non, 800 grammes, c'est des mâles?
faire les slips au sachet de chips vide. Oui, c'est... voilà. Elle est très bien celle-là, Sam, GG. Débat parallèle, Autriche ou mathématiques? C'est ça. Ah, la, les arbres ou la mer, Autriche ou mathématiques? Slip ou sachet de chips vide? Comment c'est passé? La partie de pêche. Bonjour mon ami. J'ai pas répondu. La pêche n'aura bientôt plus aucun secret. Et peut-être qu'un jour tu quitteras ta ferme pour rejoindre la mer, moi. Rejoindre ta m... Pardon! Pardon, j'ai pas dit ça! Ça suffit comme ça! J'ai appris tout ce que tu veux. Je t'ai appris tout ce que je pouvais. Ah bah c'est pas compliqué la pêche. Le fretin est devenu une vraie sardine. Je crois qu'il est temps pour moi d'aller voir votre, notre apiculteur local. Belle l'apiculteur! Ça pourrait en capturer des bestioles. Ok. Et toi, t'aimes pas les arbres, toi? Du coup, t'aimes pas les bestioles de, qui aiment les arbres? Je peux ramasser des coquillages? Oui! Oh, le crabe, il est trop pipou! Je vais te capturer. Il me faut un filet. Toi aussi, tu te déplaces en carré. Et tu te TP. Il y avait trop de trucs sur cette plage, ça me trigger. Du coup, j'en laisse un peu pour que ce soit naturel. Bon, j'aurais dû laisser les petits trucs en torsade, là. J'ai pas fait... Attention, il arrive! Ouais, je déconne. Oh, j'adore la cascade. Tu peux pas répondre, t'as pas de voix. Ah ouais, c'est vrai, j'ai dit que j'avais pas de voix. Wow. Ça ne se pêche pas. Très bien. Poil sous les bras ou limonade? Oh, oh non, mais j'imagine un mélange des deux, putain! Ça! Mais j'imagine un mélange des deux! Ah! Il est où Mel? On est là-bas. Let's go! J'espère qu'il y aura de l'eau. Je me déplace n'importe comment. Panier tracé. Mais le jeu. Ah j'ai réussi. Qu'est-ce que c'est ça? Pas beaucoup de d'humains. Par contre les couleurs sont sympas et aussi le voilà le la lumière un peu. Petite gestion de la lumière assez sommaire. Mais c'est sympathique, ça fait des petits rayons lumineux comme ça parce que le soleil se couche, j'aime bien. Parlez. Ça va? Félicitations pour ton arrivée à Azoria. Ça a dû être un sacré voyage, j'ai failli mourir. Partenaire des bestioles. Un nouveau visage. Quand j'ai entendu dire que quelqu'un s'était échoué sur notre élevage, j'ai eu du miel à y croire. C'est nul! C'est ça, Ravi de te rencontrer. Tu dois avoir un trèfle à quatre feuilles sur toi pour avoir réussi à passer ton billon. Tu m'étonnes, ça, j'ai bien compris, hein. Tu mêles. Tu vends du miel. J'espère que tout le monde te traite comme il faut. Ça fait si longtemps qu'on n'avait pas reçu de nouvelles personnes sur l'île. C'est vrai que je croise que des yeux, en fait. C'est vrai qu'on croise que des vieux. Salut, Akoufen! Comment ça va? T'as des poils dans ta limonade, c'est ta faute. Mais arrêtez avec les poils dans la limonade, c'est pas censé être... Arrêtez, j'ai trop d'images dans ma tête. Ah, t'as des fois je pense que tu veux... N'importe quoi. C'est bon. La chantilly sur un petit chocolat Milka. Voilà. Des fois je fais ça. Roman de gare ou Lionel Jospin? Non mais c'est débat. Franchement, que j'aime beaucoup vos idées, elles sont trop bien. J'ai supprimé toutes mes scènes OBS. Merde! Sans faire exprès ou c'est que t'en as eu marre, t'as dit non nique tout? Et toi? Moi j'ai pas supprimé mes scènes OBS. J'ai encore celle-là. Non mais en fait, j'en ai pas beaucoup des scènes OBS en fait. Et je peux faire ça. Thank you.
Arrête Sam, je peux pas choisir. J'avais pas de sauvegarde, putain, mais tu viens de me faire penser à un truc, Akoufen, ça se trouve j'en ai pas non plus. Ouais, peut-être que je fasse une sauvegarde de sécu. Putain, quel enfer. Écoute, ça c'est trop chiant. Y'a peut-être moins de récupérer, je sais pas, y'a pas de cloud. Bah non, y'a pas de cloud. Putain, quel enfer. C'est quoi ces chats? J'en sais rien, mais je les ai trouvés une fois, j'ai trop aimé. Tu viens bosser pour tout refaire en regardant ton stream. Non, tout tenter. Oh merde. Bon courage. Punaise, quel enfer, bon courage. T'as fait un sacré bzz bzz chez les abeilles. Ah, un sacré buzz, pas bzz bzz. Un sacré buzz. Eh, j'ai buzzé. Marseille. J'espère que tu vas bien. Je vais pas t'embêter trop, mais je vais te demander, tu joues à quoi en ce moment? Tu as aménagé dans la ferme abandonnée? Génial! Tu as abandonné. La ferme était abandonnée. Alors désolé, mais le coup de me dire oui, tu as le droit à un logement gratuitement. C'était un endroit abandonné. Il le dit lui-même. Par conséquent, ils m'ont scam. Ils m'ont dit viens travailler gratos dans notre cagibi. C'est tout. Drop the broccoli. Tu viens d'arriver, je vais te montrer comment attraper des abeilles et d'autres bestioles. Oui, je sais pas à quoi ça me servir, mais je veux bien. Je faisais ça quand j'étais petite, mais je dis à chaque fois qu'il y a un jeu où on peut attraper des insectes. C'est-à-dire, il n'y est pas souvent, en fait. Azoria est un paradis pour les bestioles, principalement parce qu'elles sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus nombreuses que nous, les Azoriens. Ouais. Surtout, ne t'inquiète pas de ce que ça fait aux bestioles. Mais en vrai, de toute façon, même dans le monde normal, les bestioles, c'est plus nombreux que nous, rien que les fourmis. Baldur's Gate toujours, c'est long, oui. Il a l'air trop long, il a l'air trop bien, mais il a l'air tellement long. Je t'ai volé un patron à ta table de nuit. Ah oui, vas-y. Dans Minecraft. bien sûr, n'hésitez pas à prendre des trucs dans ma table de nuit. Tout ce que je veux, c'est que vous me laissiez un peu de diamant et ma... mon armure en diamant pour un cheval. Le reste, vous pouvez tout prendre. Arrêtez de faire des jets critiques. Oh, mais faut que je vois ça. Ne t'inquiète pas de ce que ça fait aux bestioles. J'ai développé une épuisette plus douce et plus confortable. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est comme les pommes non létales. Les balles non létales ou les pommes non létales dans Snap, dans Pokémon Snap, bien sûr. Comme se faire ramasser par un nuage. Bien sûr. N'inquiétez pas, ça leur fait rien. Vous savez, comme l'époque où on disait « Oui, les crabes, quand on les fout dans l'eau bouillante, ils ne ressentent rien. » Sachez que c'est complètement faux. On a un stack de diams. Wouh! Maintenant, il nous faut les enfants. Arrête, Sam! C'est dégueulasse! T'es vraiment... T'as besoin d'une pizza ananas. Moi aussi, c'est dégueulasse. Mais surtout... Arrête! Peggy 18. Diamant, c'est nul. Les pierres, c'est mieux. Les pierres. C'est sympa, mais une pierre reste une pierre. Pauvre coup. Bon, j'ai toujours un épisode de plus. Allez, let's go. Ça fait depuis 10 heures que je discute avec ce monsieur. Équipe ton épuisette ou Manila pour capturer... Puis Manila pour capturer une bestiole pour augmenter tes chances de réussite. Prépare ton épuisette et approche doucement de la bestiole. C'est toi la bestiole. Pourquoi ne pas capturer quelques bestioles? Mais arrête de dire bestiole. C'est bizarre de dire tout le temps, genre de le spammer le mot bestiole. Bestiole, bestiole, bestiole. Couille. Très bien, je vais capturer des bestioles. D'abord, je vais sauter un peu. J'adore sauter dans ce jeu. Ça, c'est trop bien. Oh, de la flotte. Oui. Oh non, j'ai pas pu. Mais attention, cascade. Oh non, je peux pas revenir. Grave. Mais j'arrive plus à remonter. C'est ma vie maintenant. Non mais il remonte de manière stylée. C'est... Tu nages vachement lentement. Voilà. Alors, des bestioles. Pardon, des bestioles. Attendez, faut que je capture des bestioles.
Avec quoi? Avec mon épuisette? Oh ouais, l'épuisette! Tiens! Attention! Tiens! Hop là! J'ai capturé une luciole qui est une bestiole. Capturé ça. Malia. C'est vrai que j'ai écrit ça. Le nom de ma ferme est scandaleux, quoi. Je sais pas pourquoi je fais ça. Y'a pas d'autres bestioles, pardon. Bestioles. Mais il fait nuit aussi là. Oh papillon de nuit. Je peux pas pêcher aux abeilles. Papillon de nuit commun. Franchement, ça va. Vous pensez qu'il y a une machine d'arcade dans le... Je veux pas être ici. Dans l'auberge où je peux jouer dedans? Oh oui, je veux ça. Je vais prendre une petite moule. Attendez, faut que je capture des... bestioles. Vous arrêtez pas de m'interrompre dans ma tête. Non, désolé. Oh non, t'as brisé mes rêves. Ah non, c'est pas comme ça. Ça va, toi? Oh, elle est habillée comme une pirate. Et salut. Qu'aurais-je fait si je n'avais pas été exploratrice aventurière, je pense. Ou peut-être esthéticienne. Discussion. J'aime me retrouver seule dans la nature, mais j'adore explorer les souterrains. J'ai choisi de passer ma retraite à 25 ans à Azoria à cause des mystères que cette île enferme. Ça, et puis la mère m'a proposé d'acheter une maison pour un florin. Et puis après, elle m'a dit que c'était comme Silent Hill et jamais je pourrais repartir. Alors je suis restée, mais je suis heureuse. Très bien. Hé, j'ai capturé des bestioles. Salut, le printemps est la meilleure des saisons de l'année. Non, moi je préfère l'été. Complétez la quête. Oh, alors comment c'était? Agréable, non? C'était... J'ai une épuisette, Dieu, non? Tu peux garder l'épuisette. Tu as une super technique. Je sens que tu vas vraiment te passionner pour la chasse aux bestioles. N'oublie pas les bestioles. Tu peux te laisser des petits cadeaux. Appelle ça comme tu veux. Si tu les mets dans une serre, mais on verra ça plus tard. Ma mère m'a demandé de ne pas trop te fatiguer. Bestioles. Tu sais, tu as de nombreux collectionneurs de... bestioles. Sur cette île, tu peux vendre tes bestioles que tu attrapes. À Azoria, il y aura toujours quelqu'un pour les acheter. Tu veux vendre tout et n'importe quoi en échange de florin. Si jamais tu ne savais pas, c'est notre monnaie. On va dire, le commerce, c'est la spécialité de Pearl, la présidente de la guilde des marchands. Quelqu'un qui compte par ici. Sûr que Pearl se fera un plaisir de te parler de la vente d'objets. Tu trouveras le marché au centre-ville. C'est vraiment sympa de discuter avec toi. Merci, je vais aller voir Pearl. Alors je tiens à aller la voir. C'est celle qui est en dessous, je crois. Bestiole. Pardon. Salut, ça va ma petite Marjorie, comment tu vas? Marchine d'arcade et Palia. Retraite à 35 ans, Macron fait une 5. Saut en algue marine. En aigue marine. Ah, mais c'est une plante l'aigue marine. J'ai toujours dit algue marine, mais c'est aigue marine et c'est une plante. Rien à... Ah bah oui, c'est genre... Salut Vendel! C'est genre un truc qui ressemble à un œuf. Donc, egg. Bah non. C'est écrit AI. Excusez-moi, je suis complètement teuteux. Pète un câble, la meuf. Coucou. Coucou. Oh. Très bien, merci. Tu veux tu as quoi de beau? Une pierre. Une pierre, c'est une pierre, pierre. Oui, non, mais je sais que c'est une pierre, je l'ai vue dans Disney Dreamlight Valley. Voilà, j'ai fait un petit... Là, j'ai fait un petit trick qui permet de bugger, de donner, en fait, droit à un dialogue différent. Ah, te voilà! C'est le moment de lancer ta ligne pour pêcher des perches blanches, des morimorées et des saumons.
Mais tu te calmes, enfin! Beaucoup trop d'enthousiasme. C'est quoi ça? Yes! T'es volé un truc, meuf. Ça prendra à être trop enthousiaste. On n'aime pas trop enthousiaste. Ça va, petit Vendle? Tu t'en sors dans Minecraft? Je saute! Elle est où, la guilde? Mais putain, j'ai une carte. Ah, je me lève en fait. Ouais, bon, comme d'hab, pas de sauce. Ouais, j'ai capturé une bestiole. Je vais où? C'est pas du tout par là. Pardon. Là, c'est dans tous les jeux, ça. Dans tous les jeux où j'ai un petit peu... où on me laisse un peu libre, je cours totalement, toujours à l'opposé de l'endroit où je dois aller. Bonjour. Ah oui, le centre-ville. Oh, comment ça se fait chier ici? Oh là là, l'ambiance. Oh! Mais qu'est-ce... Mais ça va? Oh, ils ont l'air si tristes! Oh! Il y a tout le monde qui m'attendait, c'est ça? Salut! Avant ton arrivée, nous n'avions pas vu de nouveaux visages azoriens depuis bien longtemps. On peut aller à la quête. Ouais, elle m'a aidé ce midi. Oh, c'est cool ça! Tant mieux. Moi, ce midi, genre, je pense que je dormais. Tu dois être là. C'est ravi de te rencontrer. Moi, c'est peur. Dirige la guilde des marchands. Pareil que tu as des poches pleines de choses que j'aimerais prendre. Si je te disais que tu pouvais transformer cette camelote en florin. Incroyable, mais vrai. Tu peux vendre tous ces machins contre des florins ici et maintenant. Enfin au marché. Tu recevras pas l'argent instantanément. Ah ouais. Là on n'est pas aux questions, c'est le moment d'apprendre. Bah justement, les questions ça sert pas à apprendre. Là, je viens de poser une question. Écoute-moi attentivement! Car ce que je suis sur le point de te dire va te changer la vie. À Azoria, tout se vend, absolument tout. Des fibres de plantes vendues, de l'argile vendue, des rainettes crucifères vendues! C'est simple comme bonjour! La deuxième fois qu'on me dit ça. Dans le jeu. Faut changer d'expression. Il y a des étals au milieu du marché, il te suffit de poser ce dont tu veux te débarrasser dessus. Et le matin suivant, tout aura été vendu. Tu te demandes sûrement qui achète tout ça. Ne prends pas la tête. T'inquiète, ça se gère après ça. Azoria a tout simplement une économie saine, pleine d'acheteurs assoiffés de bricoles. Oui, bah je vois ça. Genre. Comme dit mon cousin préféré, l'inventaire de quelqu'un. L'inventaire quelconque d'un Azorien peut devenir le trésor d'un autre. Des Kleenex, si tu veux. Utile. Pose des choses sur l'étal du marché pour vendre. Mérite, la mère sera ravie d'apprendre que tu contribues à l'économie azorienne. Et c'est qui contribue à mon économie? Les produits de cueillette, de la chasse, de la construction, de l'agriculture peuvent ensuite être vendus. Ok, je vais le faire. J'en ai assez vu de Playmobil Farm. C'était bien Playmobil Farm aussi. J'en ai assez vu, je juge dans ma tête. On a dit pas les Kleenex, c'est le trésor de personne. Bien sûr que si. Trésor d'un... Franchement, il y a des gens qui boivent de la pisse. Hein. Au bout d'un moment, mes Kleenex usagés, si c'est pire, ça peut... On peut trouver un acheteur. Ah putain, je me rappelle la vidéo que j'ai vue, c'est dégueulasse. Trésor d'un nez qui coule. C'est pas ma faute, les gens sont terribles. Je vais vendre ça. C'est l'enfer pour mon sommeil. Minecraft? Oui, tout à fait. Pour la limonade avec des poils, tu peux aussi en faire un acheteur. Bah faudrait que ce soit des poils de quelqu'un de célèbre. Ou que moi je devienne célèbre. Oh, franchement, j'arrête cette conversation tout de suite. Là, je me suis dit mal au ventre, là. Venez, on peut... On joue à un jeu tout mignon, venez on parle de choses. C'est ma faute aussi, mais c'est un peu de la vôtre. Hein. Ouah, je m'en fous, je vais dans le record. Ok. On va voir mes riffs. Mais elle dort pas, elle, ou non. Elle dort pas, celle-là. Dort pas, dit. Non, je voulais pas aller là, je voulais aller là.
T'as arrêté pas de lire ? Non ! Pas du tout, je pense peut-être même y jouer un peu ce soir après. Pas du tout, pas du tout. Mais je voulais me faire un avis sur... Eh hey, mais c'est un escargot ! Attendez, je vais le pécho. Escargot, où es-tu ? Tutu ! J'aurais peut-être pêché, mais ça me... Ah, mais mon enduit, elle remonte toute seule. C'est bien, ça. Ah, mais elle était là. Putain, je suis partie très loin. Bonjour, merci encore de ta venue. Un temps, rien. Maîtrise du marketing. Te revoilà. Tout le monde chante tes louanges, tu sais. Comme d'hab. Dirais que tu es en train de devenir une véritable azorienne. Et que tu t'es complètement remise de ton naufrage. Tout est bien qui finit bien. Tu as gagné une maison et une ferme. Et nous, notre première nouvelle résidente depuis... Bien aussi long que je me souvienne. Je me rappelle pas quand les tourbillons sont apparus. Mais même avant ça, le moral n'était pas au beau fixe. Je suis sûr que tout ira bien pour toi maintenant que tu as les outils, la canne à pêche et ton épuisette. Rien ne pourra te résister. Tu as tant de questions. Nous aurons tout le temps d'y répondre plus tard. Maintenant, tu dois être épuisé à force de parler. Rentre chez toi et remettons cette discussion une autre fois. Ouais, ça repousse cette discussion. Tu sais, je crois que tu vas faire de grandes choses. Bon, Azoria. Alors bien, je me suis fait scam. T'es qui toi, Willow ? Non, t'en es arrivé ? Nous n'avions pas vu de nouveau visage. Oh, ça va, vous me dites toujours la même chose. T'as parlé avec la mère ? Elle travaille dur pour gérer la ville de son mieux. Allez, je m'en vais. Quoique, je devrais voir un peu la boutique. Personne patiente qui vend des arbrisseaux. C'est un métier, ça, d'être patient, apparemment. Jeune être. Jeune Chan. Un gant. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, c'est comme dans Stardew, à une heure particulière, là c'est minuit, c'est rideau. On n'est pas loin du Vonimi, on pourrait refaire cette conversation sur un vrai jeu dégueulasse, tout à fait. Je suis d'accord. On trouvera un jeu dégueu, on pourra parler de trucs... de fluide corporel, Ah, blablabla. Plus tard, tantôt. Elisival. Ah ben oui, hein, mais c'est ma voix, hein, c'est ma voix. Ici ma voix. J'ai fait tomber. On cassera les poils et les trucs qui coulent à ce moment-là, exactement. Ça me trigger que ça déborde complètement. Tu as dû remarquer des phénomènes magiques inhabituels. Non. Enfin si, il y a des racines. Les récentes tempêtes magiques se sont faites... qui ont fait s'envoler les débris ont eu un effet... très particulier sur nos commerces. En bref, le vent a éparpillé beaucoup de nos parchemins et de recettes. Oui, j'ai trouvé ça. On m'a dit que tu venais d'arriver, tu auras peut-être... quelques teintures pour changer la couleur de tes meubles et de tes vêtements. Pourquoi pas. Et là, le mode du multijoueur est débloqué. Non, non, merde, je voulais pas venir là. Salut Cyril ! Ça cache l'ambiance toute mignonne, mais oui, c'est tout pipou ! Ah, mais je me rends compte que vous voyez pas l'heure du in-game, le chat, à cause de vous-même. Ok, je vais me faire un poisson. Ça fait 25 d'énergie, mais je me rends pas compte... Je me rends pas compte de combien j'ai de points d'énergie. Je vais me promener moi. On fera des quêtes plus tard, là je vais me promener là. Hop là. Je m'en pavais. Trop bien, c'est quoi ça? Oh, une boulangerie. Il y avait une baguette. Oh le tout le pain. Oh, j'ai trop envie de gâteaux et de pain. Et de trucs fourrés avec d'autres trucs. Non, non, mais relève-toi. J'aime bien le mouvement de main. Boulanger précis et méthodique. Salut. Putain, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, je me rappelle. Je l'ai mis, j'ai mis ça, moi. Oh, le nani, il m'a fait trop peur. La
neige me manque, mais le printemps me convient aussi. Non, c'est trop chiant la neige. Ouvre la boutique. Farine a du beurre. Oh punaise. T'as pas arrosé ton jardin? Ah oui, c'est vrai. Je vais l'arroser. Désolée, non mais t'inquiète. Ok. C'est bon, c'est bon. Je peux m'en remettre. Oui, je voulais visiter des gens pour savoir si je pouvais acheter des trucs. Ah, salut Sky. Voir la boutique. Ça vend quoi? Un crochet pour sac. Un peu nul. Et ça c'est des sols. Et ça c'est des boules de verre. D'accord. Très bien. C'est super Sky. Vraiment pas de nouveau visage. Machin. Ah mais j'ai trop de trucs à droite. Dégage. Oh j'ai une tenue. Tenue d'apiculture. J'ai une jupe de ferme. Aventurier ordinaire. Pyjama confortable. Oh chapeau. Oh ouais, nœud de lapin. Ok, ça c'est quoi? Librairie. Ok, donc ça c'est surtout de la déco en fait. J'ai l'impression que ça soit de la déco, soit des skins. Non mais du coup ça fait des nouvelles entrées dans l'almanach juste parce que je regarde mon truc alors que je l'ai même pas. Oh, je peux planter d'autres trucs. Et si j'achetais des graines? Ah mais faut que j'achète du sol, non? Ça marche Cyril, bonne nuit, des bisous. Comment ça Goldberg? Notre personnage il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Lox TV. Pas compris. Graines de haricale. 12 arrosages suffisent. 8, 4. Ah, c'est moi qui fabrique les plates-bandes. Ah oui, d'accord. Je vais acheter un peu alors. 6. Et là, pareil. Et les navets, est-ce que j'en aurais des navets? Ah, j'ai plus de thunes! Oh merde, j'ai plus de thunes! J'allais pêcher, moi. Augmenter les chances d'attraper des bestioles fougueuses. Donc ça, c'est la marée. Happy fuchsia. J'ai drôlement d'envoi un gouffre, quand même, comme ça. Petite ambiance un peu médiévale, que plutôt mignonne. Bureau en bois majestueux. Ok, cool. Cool, cool, cool. Tu as fait pour les navets? Non, je les ai récoltés. J'ai récolté de la terre. Ah, ça, on arrête! J'ai déjà parlé à toi. Coucou! Coucou Xelios! J'ai déjà parlé à toi. Oui, non, mais je suis déjà venue ici, mais je m'en vais, je m'en vais. Je l'ai pêché, hein. Moi, je crois que je vais le pêcher. Hein. Pour le moment, pour me faire de la thune. Oui! Annie! Ok. Oh, il brille, il est immense! Il est shiny. Oh, il s'en va, mon poisson shiny! Tenez. Non mais attends, attends, arrête.
le Poiscaï en Sébaste. Non, il va m'emporter de la moulaga. Est-ce que je peux les mettre dans mon chez-moi? Peut-être, je vais essayer. D'abord, je pêche d'autres poissons. Ah! Je peux pas pêcher. Je voulais annuler. Ouais, non, je suis pas bien placée. J'arrête, je bouffe tout seul, mais oui, non, mais tiens, là, ça, là, c'est, putain, la phrase de ouf. Sophie, la présence de Lox. Oh, c'est mignon, merci beaucoup, Xélio, c'est trop mignon. Bah du coup, faut que j'aille planter mes trucs avant de trouver Alaric. Non, pas maintenant. Là, je pêche, là. Pêche, là. Toi, je t'ai vu dans ta tronche. Hop, là, je fais ça maintenant. Je fais refaire ça. Elle est bien la canne à pêche en vrai. Petit saumon. Je vais essayer de les mettre chez moi. Oh, j'entends une abeille. Si c'est ça. Un souci là. Hein. Je peux pas le dire, mais un petit souci en fait. Non mais pourquoi il y a le néon qui s'installe là? Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh putain, j'ai voulu trop le pécho. J'ai pas réussi. J'ai pécho une abeille. Déjà bien. Mais il y a de l'eau là. Il y a de l'eau là. Ah oui, ouvrir. Il y a pas un musée aussi peut-être à compléter? Oh, j'aimerais bien ça, j'aime bien ça. Ça c'est ma motivation ça. Je pense qu'il y aura une sorte de centre communautaire, mais je préfère quand c'est un musée qu'on peut visiter. J'aimerais bien qu'ils mettent ça dans Palia. Je sais que c'est du plagiat total, mais comment c'est vachement plus sympa quand même de visiter son musée où tu vois toutes les bestioles que tu as capturées. C'est satisfying de fou. Tu vends des trucs, toi? Ah oui, des meilleures épuisettes. Et des... ensemble de trois couleurs de teinture. Ah, des teintures, ok. Oh, l'épuisette. Toi. Regardez! Je vais aller vendre. Il est quelle heure? Il est déjà 1h de l'après-midi, hein, ça va trop vite. C'est chez moi ici? C'est en bordel, c'est sûrement chez moi. Je vais planter des trucs. Oh, papillon! Ok. Alors, je sais pas s'il faut déjà pour fabriquer des trucs comme ça, là. Mais je vais en refaire d'autres. Juste, je fais ça. Mais... oh non, mais c'est des motifs à la Dibou, je comprends rien. Ok, il y a des mots. Almanach, localisateur de donjon, d'accord. Progression, quête. Quitter le menu principal, quitter vers le bureau. Paramètres. Aide, je suis coincé. Sauvegarder. Oh, j'ai pas sauvegardé encore. Ok. Je sais plus comment on craft. Flèche du bas, pas flèche du haut. Merci. Merci beaucoup, Féline. Ça, il faut quoi? Il faut des troncs, il faut du sable, il faut du limon. Mais j'avais tout ça, moi. N'importe quoi. Mais j'ai pas de sable, moi. J'ai même pas de pelle. Ah si, j'ai une pelle. En fait, j'ai complètement une pelle là, tout de suite. Ça va jamais. Du sable, faut que j'aille sur la plage. Je crois que je vais... franchement... On va surtout pêcher, je crois. C'est long. Ça, je vais ranger. Je vais pas me barrer me promener avec ça, je vais ranger.
Ah oui, punaise, ça c'est un raccourci trop cool ça. Ah non, je vais peut-être vendre ça en vrai. En vrai, ça on s'en fout. Oh, je vends tout ça. Ça c'est de la bouffe. Ah oui, je voulais voir avant. Attendez, est-ce que je peux mettre des trucs dans ma maison? Oui, voilà, elle me les avait posés dans mon cabanon. Ouais, ouais. Donc faut que maintenant je fasse... Je vais me faire un tabouret. J'ai pas l'air de pouvoir poser les poissons qu'il y a dans mon inventaire. Ok, c'est pour tester. À moins que je me trompe, hein, mais je pense que j'aurais pu le faire maintenant déjà. Alors. Juste de la bouffe. Okay. Dommage, dommage, ça aurait été sympa. Alors, le village, il est par là. Follow the topo. Quoi toi? J'ai pas parlé encore. Aspen. Service de charpenterie. Ah, améliorer ma maison. Ok, 2000 florins. Objet non découvert. D'accord. Et des trous. Bah nous verrons tantôt, hein. Faut que j'aille voir qui. Ok, j'y vais. Dommage qu'il n'y ait pas de musique tout le temps. Ça me saoule le jeu où la musique elle s'arrête, puis reprend, puis s'arrête, puis reprend, puis s'arrête. Enfin, j'aime bien qu'il y ait un petit accompagnement léger, hein. Sauf dans certains moments très particuliers, du coup ça rend intense le moment. Ouah, wow, j'ai quand même capturé une rainette crucifère. Des questions d'ordre magique, n'hésite pas à les poser. Complétez la quête. Je m'appelle Alaric l'humble mage d'Azoria. Mère nous a laissé choisir nos titres. Elle a mis son veto sur le premier titre de Mel, Ours à miel d'Azoria. Tu te demandes pourquoi je t'écris. Pourquoi tu m'as écrit. Je crois qu'il était... Ouais. Alors, je vais te fabriquer un bourdon magique. Tu pourras t'en servir pour te protéger et contrôler un peu la magie sauvage. Oh ouais. Au calme. Ça venait de mon ventre. Benzon, je me faisais tellement de soucis que j'ai oublié de manger. Ah, ok. Why not, hein. Excusez-moi. Ah, oh, je veux pas l'affichage modérateur, ça me saoule. Faut constamment que je le fasse manuellement. Ah pourtant si je les ai affichés. Ah oui. Voilà. Excusez-moi. Il n'est pas pris de repas digne de son depuis des jours. Merde, j'ai cliqué parce que j'étais en alt-tab et du coup ça a passé. C'est bon, ce qui bloque les routes d'Azoria, ce n'est pas de la tarte. En parlant de tarte, je mangerais bien un truc. Si tu m'apportais un petit plat comme ça, je pourrais te préparer un bourdon. Ah mais vraiment quoi. Oh, faut que tu ramasses des moules, mais j'essaie déjà tout se ramasser et vendu hein. Ah, je vais le faire, mais les moules... Il n'y en avait plus sur la plage. Hein. J'ai tout vendu, c'est foutu. Je vais lui faire autre chose à bouffer. Il y a des papillons là. Du jour. Je suis sûre que les papillons pensent, ça se vend bien. Je le vends tout de suite. Il faut comment? 10, ah non. Par contre, la grenouille, oui. Hein. Oh, elle est trop mumu. J'ai envie de la vendre. Mais je l'ai quand même déjà fait. Plage à droite, ok. J'allais voir. Ok, c'est ça.
Franchement, les sauts du perso, ils me fument pas ni à pique-nique. Ok. En fait, je voulais pas aller là-bas. Arrête, c'était pour rigoler, je vais aller là-bas. Excusez-moi, je visite un peu la flotte. Non, 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 non. Ça m'emporte trop, je peux pas. Ah oui, à droite, j'ai vu. Aussi, j'ai vu. Oh, gros poisson, attendez. Non, mais non, il est pas là. Mais il se fout de ma gueule, il est passé juste à côté. Ça a failli prendre le pont dans la tronche. Ouais, mais ça m'aura rien fait, c'est sûr. Bah quand même. Oh, il fait déjà nuit. Bon, je pense que ça c'est bien ça. Merde, pas du tout. Arrête. Je ramasse tout, hein. Ah, il me faut du sable. Ah, oh, puis il y a des escargots et tout. Attendez, je prends du sable. Je peux rester appuyé? Je peux s'appuyer, qu'est-ce que je m'emmerde. Et oui, j'avais encore jamais capturé. Où je me dépêche. La plage ici, elle est balèze dans le futur. Va, mais j'ai bientôt plus de place, pense, dans mon inventaire. Merde. Oui. Bon, les trucs qui se stackent, donc ça va. Oh, j'entends une vieille mouche. Je pense que c'était dans le jeu. Allez. Mais je spam. C'est qui? Mais c'est encore des vieux. Plein de vieux, hein? Ou de vieilles? Salut! À parler avec la mère, elle travaille dur pour gérer la mine. Félicitations. Ouais, d'accord. Tu ne me sers à rien. Les PNJ ne me servent à rien à partir du moment où il n'y a pas de quête. Tout ce qu'ils me racontent, c'est exactement le même phrase. C'est pas grave. Vite, qu'un. Oh, il y a encore un autre truc là. Les autres, là, ça passe. Ouais, de fou. C'est pas le centre-ville, ça? C'était ici. Ouais, parce que j'ai encore de la place. Oh, le Sébaste! Il y a une place là. Coûte cher. J'y rends mes moules. Voilà. Là, j'ai tout rempli. Du coup, maintenant, je peux faire des bouts de trucs comme ça. Des bouts de carrés de terre. Je peux crafter de la terre. Voilà, déjà, ça m'énervait. Il précise de chaque. Quoi, j'en ai
ai plus assez. C'est des troncs qui manquent. Merde, j'ai mis beaucoup trop loin. Pourquoi j'ai mis si loin? Récupérer. Merci. Voilà. Ok. Pour pouvoir les planter ce soir. Si je vais dormir manuellement, peut-être que je gagne de l'XP. Genre en bonus si je tombe pas d'épuisement. Je fais 333 boules. Oui, lecture terminée. Je vais faire mes nouveaux chiens. Dark. Il y a un perso qui s'appelle Dark. Alors, ici, je devais tes plans. C'est quoi, chou-fleur, haricot, chou-fleur, haricot. Voilà. Non. Ah. C'est un début, hein. Ça s'est grillé. Ah oui, c'est ça qu'il fallait que je fasse, j'ai oublié. Peut-être que ça se vend bien les plats. Je vais tenter. Et si ça se vend bien, si ça se vend bien, j'ai tout intérêt à faire plein de plats, à vendre les plats, plutôt que de faire rien. Vous voyez ? Est-ce que je peux... Ça peut se faire? Un cadeau. Bonne nuit, Umbrick, des bisous! Il y avait un cadeau par terre, je sais pas pourquoi. J'aime bien l'animation, elle est très mignonne, regardez. Ah, c'est pour dire que c'est fini, ok. Bah il est où l'autre? Il est là. Attendez, ils me disent que je peux pas remettre des crustacés. Enfin, ils me proposent pas de rendre mes crustacés grillés à l'autre. Bon, on va voir. Oh, le poisson. Allez! Vas-y, je lui ai fait peur, c'est sûr. Merde. Fruit arc-en-ciel. Oh punaise, le truc pas l'aise. Non, mais arrête. Lâche ça. Voilà. Ah, voilà. Je me suis dit, mais attends, pourquoi il me propose pas de lui donner le plat? J'ai hâte de dévorer tout ça. Ton bourdon magique sera prêt demain matin.
pas que je sois du genre à conseiller aux gens de travailler la nuit, bien au contraire, mais les temps sont durs. Rejoins-moi demain devant le plus gros buisson de ronces. On testera la solidité du bourdon. Avant de s'occuper de la magie. Ok, un peu bizarre la propalme, ok. Attendez, c'est la coccinelle qui fait ce bruit ? Un bruit de canne à pêche. Alors, mon canne à pêche, elle fait pas un bruit de coccinelle. Ah mince, il fallait que je chope de quoi fabriquer des sections de terre. Ça, c'est un peu chiant qu'il suffise pas d'une houe. Franchement, je trouve ça assez chiant de devoir crafter un objet pour pouvoir planter. Qu'est-ce que je fais ? Ah oui, je vais aller à la plage. Enclume. Ça sert à quelque chose ou c'est juste de la déco ? Oh, un petit crabe, ils sont pipous. C'est de la déco. Ah, ok ! Une récompense en bas de la quête ? C'est un bourdon ? Non ? Non, j'ai pas vu. Ah, des florins. Je donne 500 florins. Est-ce qu'on trouve des trésors souterrains? Enfin, enterrés plutôt. Trésors souterrains. Personne ne dit jamais ça. Ça suffit. Ah oui, du coup il me faut de la terre comme ça. Bon, normalement on est près de chez moi, mais dans le doutoir. Je les mens. Il faut que je casse du bois. Oh ça va, ça c'est rapide. Ça me donne... Ah oui, ça me donne du bois en plus. Ah merde, tu es loin de chez moi de fou. Ah oui, non, c'est par là. Là, ça passe. On avait dit. On gratouille, nani. Est-ce que je peux crafter ce qui me manque ? Elle dit oui. Non, comme ça. Non, mais c'est bon, c'est bon. Voilà, et là je plante les derniers trucs qui que je pouvais pas planter. Ah, ça, ça me soulage. Je vais peut-être tout choper sur mon passage. Hein. Oui, je vais faire ça. Et je vais vendre. Ah, le poisson. Oh, mais celui-là, il a l'air mieux. Pas fou, pas fou. Non, attends. Arc-en-ciel, je suis sûr que c'est trop bien au niveau prix. Remarquez, je peux le voir en fait. Hein. Et ça, je veux savoir ce que c'est. Ah ! Ils sont bons les poissons, mais ils ont tous la même
tronche. Morue de mort. Ouais. Bon, je vais voir. Je vais vendre. Non, mais arrête. Enlève ça. Je peux enlever. Ok. Alors, est-ce que je peux vendre ça? Valeur de 10, ça peut être fou, hein. Oh, je vends mes plats. Hein. Oh, c'est des petits cadeaux. Ah, d'accord, la bouffe, c'est sous forme de petits cadeaux. Je vais rentrer chez moi, foutre tout ça. Ça donne tout pour la pêche. Oui, mais c'est trop bien, on est joué la pêche. Voilà. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai. Personne il me fera dire le contraire. Ok. Non, c'est comme ça. Est-ce qu'on peut crafter avec ce qu'on a dans l'inventaire? Genre si je fais ça. Oui. Bah ça c'est bien. Enfin l'inventaire, le coffre quoi. Faire un petit pot. Oui. Non! Ah oui, du coup faut pas que je me remonte. Je peux pas mettre de déco là-haut. Oh c'est dommage. Faut mettre ça ici. Ok, ok, ok. Bah je vais aller voir ce que le petit gars il veut nous dire. Il m'a dit rejoins-moi demain. Mignon. Ah! J'ai retrouvé! Ah non, c'est pas lui qui dit ça. C'est moi qui dis ça. J'ai retrouvé! Non! Attendez, voix du narratrice. Ah non, ça résonne trop! Pardon, excusez-moi, tout va bien. J'ai retrouvé Alaric là où toutes les ronces étaient les plus denses. Il m'a présenté le plus étrange des bourdons magiques. Et un bourdon, c'est un anime. Bref. J'ai pas la rêve. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Parce que les ronces ont commencé à reculer. Les babazars devraient craindre mon nouveau pouvoir. Les gentils azoriens n'ont plus besoin de se cacher. Oh non, mais vraiment, j'aurais pu voir ça dans le jeu! Ça dégoûte! Ah merde, c'est mon webcam. Pardon. Appuie sur LB pour t'en équiper. On va essayer ça alors. Oh, dans ta gueule la ronce. N+2 s'appelle Alaric. Putain, j'avais jamais entendu parler de ce nom, moi, je t'avoue. Alaric. Je m'arrave de la ronce. Ça me fait même pas d'XP de faire ça. Ça dégoûte. Coucou. Et coucou Wena. Queuse de tentacules. J'en les tentacules. Ouais, j'ai pas assumé. Tapis damier bleu, c'est bien. Je le ferai jamais, mais c'est super. Ok, ok. Je vais explorer là. Mais un bourdon, du coup, c'est un nom connu pour dire un bâton magique. C'est la première fois que je vois ça, moi.
Moi, je pensais que j'allais avoir un insecte qui me suivrait. Magique, genre. Oh, ça veut pas. Un bourdon, quoi. Mais arrête, il me met le mauvais truc. Didier, comme ça, dit. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est infernal! C'est un câble! Obtenir vos récompenses. Oui, je vais obtenir mes récompenses. Son citrine. Important, le thé. Je saute partout, c'est trop cool! Wouah! C'est n'importe quoi. Là où je peux sauter? Non. Oh, il y a des poissons différents un peu. Bon, ah d'accord, donc tu l'as lu dans des livres de fantasy. Ok, ok. C'est bon à savoir. J'avais pas... J'ai pas besoin de faire ça. Je sais pas pourquoi je fais ça maintenant. Je vais voir Alaric. Non, faut que j'aille voir Alaric. Je comprends rien. Mais je vais aux mines apparemment. Ah bah tu t'es noyé. C'est toi le noyé. Mais qu'est-ce que je fous là moi? Mais qui... Je veux voir Alaric mais il est pas là. Ah si voilà. T'es perdu. Non, je suis pas perdu. C'est le jeu, il explique mal. C'est pas ma faute. Bon, ça va, Gono. C'est qui ça? T'es qui toi? FPTDR. Miles. Je veux pas te parler, tu m'énerves. Ça fait juste vite. Trop chiant. Oh, ça s'engueule. Mais décrire la vie à la ferme, c'est dur. Oh, c'est une... Essaye de cogner ces ronces avec le bourdon. J'ai fait. Tu pourras utiliser sur d'autres ronces. N'oublie pas de regarder ta boîte aux lettres. C'est le moyen de communiquer. Ok, super. Tu auras pris tes repères, c'est plus simple. Oui, non, ça va, elle est pas très grande, la ville. Tapis est mort rôde. Ouvrir la boutique, c'est quoi la boutique? Des popos rend invisible sur une courte durée. Déplacement restaure une petite partie de votre mana. Ok. Bon, ça sera plus tard, ça. J'ai pas encore de PVP. De PVE. Pas de PVP. Je explique mal. Oui, je explique mal, c'est pas moi. Même vous l'avez vu. Même vous. Ok. Là que je devais aller. Frida, bonjour. Mais tu m'atterris mal. Enfin, tu m'envoies mal. Tu devrais m'envoyer plus haut. Là-dedans, Frida. Saies dies es de point de chem pur un texte tou speech e yel ecrit come sa pur que le bot le lis bien en fin bref comment sabas bum o sabas te yeu al air fan si non sest long come message mais au moin sest rentabilise me banez pas mes modos ye buems bien muabli bla 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 o ajajajaja. T'aurais dû écrire jajaja avec J A pour voir comment elle l'aurait dit. Petit Gweno! Il a enfin pu claquer le text to speech pour demander comment ça va. Moi ça va bien. Voilà. Je suis ravie que tu claques ton text to speech. Salut, tu parles au nom de la vie. Des gars bien honnêtes dans le coin. Tu commences à connaître un peu les autres Azuriens. Si ce n'est pas le cas, je peux te donner des conseils. C'est un peu ma spécialité. Attendre au statut d'ami avec une personne de ton choix. Oh non.
Oh non, c'est bon, ça met déjà assez de temps dans Palia. Vas-y, sois mon ami. Salut Bjorn. Qui suis-tu? Marche pas. Bon. J'ai pas trop visité l'auberge, mais maintenant que je sais qu'il n'y a pas de borne d'arcade... Oh, par contre, il y a ça. On est en praille. Je veux visiter un peu quand même. Un petit peu, un petit peu. Et ça, c'est les cuisines. On peut sortir pour les cuisines. Ok. Okidoki. Bon, écoutez, on a 2 heures de VOD, donc déjà, je vais arrêter la VOD. Et je vais faire des bisous VOD. Mais avant, je vais prendre ce plan. C'est un tonnerre. Des bisous la VOD. C'était Fire Farm. J'ai pas encore mes petites ailes de fée, j'ai pas encore faire de PVE. Mais en tout cas, on a vu au moins le début du jeu et comment ça se passe un peu. Des gros bisous. Ciao. Et Fire Farm.